Donc on continue. Il dit le Rav, ou chez Tistakel, od badavar tire, ki ashlemut amiti, ou rak advekut bo idbarach. Veu mashia David Amelech Omer, vaani, kirvat Elohim litov. Veomer, achat shalti meet Hashem, ota abakesh, shifti bevet Hashem kol mechayai, lachazot benoam Hashem. Kirak ze ou atov. וכל זולת זה, שיחשבו בני האדם לטובה, לטוב, אינו אלא אבל ושב, נטעה. Et donc il dit le Rav, on a expliqué les jours d'avant, que donc l'homme il a été créé pour une seule raison, l'hénot mizi vashrina, pour profiter de la présence divine, de la lumière divine, dans ce monde-là et dans le monde futur. Mais le véritable endroit où on recevra ce salaire éternel de profiter de la lumière de Dieu, et donc on avait dit c'est quoi profiter de la mère de Dieu, c'est que Kadosh Baruch Hu il se dévoilera à nous. Il n'y a pas plus grande bonté que Dieu peut octroyer à un être humain que de se dévoiler à lui, et ce dévoilement il sera infini, sans fin et donc éternel. Et il dit maintenant le Rav par rapport à ça, hein, et lorsque tu vas k'shitistakel od badavar tire, c'est quoi l'istakel? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, la différence entre l'irot, l'istakel? Il y a plusieurs synonymes en hébreu pour dire « voir, regarder ». Mais en Lashon HaKodesh, et ça la puissance du Lashon HaKodesh, c'est que chaque mot, même si c'est a priori un synonyme, il a son sens profond et propre à lui. Donc par exemple, quelle différence entre l'irot et l'istakel? On avait dit, la Gemara a dit que « asur l'istakel al-isha »« afilu be'etzba ktana » On n'a pas le droit de regarder donc une femme et même un... et même pas un petit doigt. La Gemara ne dit pas Asur lirot et isha. On n'a pas le droit de voir une femme. Écrit Asur listakel. Donc c'est quoi listakel? Lirot, c'est voir. Lirot, c'est je vois. C'est quoi je vois? J'ouvre les yeux, je vois. Je vois un mur, je vais dans la rue, je vois un arbre. C'est-à-dire que c'est voir, sans regarder. Tu as les yeux ouverts, tu vois. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est listakel. C'est quoi listakel? L'istakel, c'est prêter attention, regarder avec insistance. Ça, c'est interdit. Contempler. Mamash contempler et regarder avec insistance. Donc, l'irot, isha, entre guillemets, voir une femme. Tu vas dans la rue, il y a des femmes qui sont dans la rue, qui passent, qui traversent. Tu vas à la poste, la postière, elle te donne le timbre. D'où l'expression t'es timbré. Voilà, tu fais les choses de la vie, ok, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si tu te mets sur le comptoir, avec tes petits yeux charmeurs, quand j'ai fait tomber quelqu'un, ta femme, et là tu la regardes avec ces petits yeux-là et tu la contemples. Ça c'est interdit. Donc quand il parle, on se parle de l'istakel, il dit le Rav, ou que c'est istakel, autre va d'avoir tiré. Faut pas lire autre, ça y est l'istakel. L'istakel c'est regarder avec insistance. Dans le sens, faut réfléchir. Lorsque tu vas te mettre à réfléchir sur ce que je viens de t'expliquer, tout ce que je viens de dire maintenant, que le véritable salaire il est après 120 ans, il est mort là-bas. Et que ce salaire, ça, c'est quoi? C'est de profiter de la lumière divine, dévoilement de Dieu éternellement. Lorsque tu vas Bémet, t'arrêter pour réfléchir. Tu comprendras. Qui ashlemut amiti urak advekut bo itbarach. C'est quoi l'ashlemut? C'est quoi quand on parle de shalem dans la Torah? Dit le Rav Dessler, quand on parle de shalem. Shalem, c'est complet, entier. Ça, c'est quoi l'ashlemut amiti? Quelle est la véritable, la véritable chose qui est complète et entière? Et quand on parle de Shlemut, on parle aussi de Tov. Tov, c'est quelque chose de Shalem. Tov, c'est le bon. Et le bon par excellence ne peut être bon que lorsqu'il est entier. Pas comme nous, on le dit dans le jargon de tous les jours, d'accord? C'est bon ce que tu manges, ou ça va bien. Non, bien bon. Lorsqu'on parle de Tov dans la Torah, on parle de Shalem. On ne peut pas avoir quelque chose de Tov, quelque chose de véritablement bon, s'il n'est pas entier et complet. Comme on a expliqué plus d'une fois, hein, au nom du Rav Dessler, il explique le Rav Dessler, que c'est quoi la shlemut? Pourquoi est-ce que la shlemut c'est le tov? Et pourquoi est-ce que quelque chose d'entier, alors ça c'est bon? Parce qu'on a expliqué que l'antithèse du bon, du bien, du bien-être, et quand on parle du bon, du bien, du bien-être intérieur, c'est lorsque l'on est entier, lorsqu'on va recevoir quelque chose de complet, que ce soit quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. À partir du moment où j'ai quelque chose à moitié, alors que je n'ai pas de tov, je n'ai pas un bien-être. À partir du moment où je te fais un cadeau à moitié, t'es pas content, c'est comme si je te donnais entièrement. Pourquoi? Parce que lorsque je te donne la voiture et les clés de la voiture, là, t'as
toute la voiture. Tu pourras l'utiliser. Mais si je te donne que les clés ou que la voiture, ben là, t'es content. Mais t'as pas le tov. Parce que le tov, par définition, c'est une source de chalem. Tu peux pas avoir quelque chose de bon s'il n'est pas entier. Et d'ailleurs, les amis, c'est comme ça qu'on pourra savoir. C'est comme ça qu'on pourra savoir. Est-ce que la chose qui est en face de moi, la chose qui est proposée à moi, elle est bonne ou pas? Regarde si ça t'amène du shlemout. Si cette chose que tu as en face de toi, qui t'est proposée, ça t'amène de la shlemout, c'est-à-dire que ça t'amène encore plus à être quelqu'un d'entier, de complet, alors c'est qu'elle est vraiment bonne. Comprenez? Quelque chose de bon, c'est quelque chose qui amène à la shlemout. Donc c'est quelque chose qui est shalem. Donc il dit le Rav, qui a shlemout à amiti, ou rak avec boy barach. C'est quoi le tov? Quel est le tov, le bon et le bien hein, au niveau de son plus grand potentiel? C'est quoi la plus grande complémentarité à laquelle tu peux arriver? Rak adekut boit barach. C'est lorsqu'on arrive à s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus grand bon, il n'y a pas plus grand bien que l'attachement qu'on va avoir à Dieu. À partir du moment où on arrive bémettre à être attaché à Hachem, et on a donné l'exemple, on avait dit c'est quoi être attaché à Hachem, Rabbi Julien, Rabbi Dov. Ouais. Il y a fait mes bidouk. À partir du moment où tu vois Kadosh Baruch Hu tous les domaines de ta vie, et pas dans les grands, dans les tout petits détails de ta vie, tout ce qui t'arrive, tu vois Kadosh Baruch Hu, alors t'arrives au quoi? À la Dekut Bachem. C'est ça être Dabou Bachem. Si je fais une différence quand tu es à la synagogue ou à Beth Amidrash et lorsque tu es chez toi à la maison ou dans ton travail, dans tous les domaines de ton existence, tu vois Kadosh Baruch Hu, tu vois Dieu partout. C'est ça que tu arrives à la Shlemout. Maintenant, c'est quoi la Dvekut? Dvekut en français, on appelle ça un Dévek. C'est quoi un Dévek en hébreu? C'est de la colle. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut être collé à Dieu. Il faut être collé à Dieu. Quelque chose qui est collé, il souffre. Ça fait mal quand tu le détaches, quand tu le décolles. D'ailleurs, des fois, c'est tellement bien collé que en voulant le décoller, tu l'arraches, tu le déchires. Ben, c'est exactement ça. On doit ressentir au plus profond de nous-mêmes ben, ce déchirement. Si des fois on se sépare un peu de Dieu, on doit se sentir déchiré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand bon et plus grand bien intérieur, et comme je dis extérieur au niveau du vécu, que la vécu de Bachem, être attaché à Dieu. David Amelech Omer, c'est ce que nous disait David Amelech dans les Teilim. Va ani. Et pour moi, Kirvat Elohim Litov, le rapprochement de Dieu, il est bon pour moi. Pourquoi est-ce que David Amelech dit va ani? Il aurait pu dire Ve Kirvat Elohim Litov. David Amelech dit va ani, et pour moi, Kirvat Elohim Litov. Et pour moi, être rapproché de Dieu, c'est bon pour moi. Donc il répète. Litov, pour moi c'est bon. Ok, tu aurais pu dire Vekirvat Elohim, Litov. Vekirvat Elohim, Litov. Le rapprochement de Dieu, il est bon pour moi. Pourquoi il y a une redondance? D'abord il te dit Va ani. Et pour moi, Kirvat Elohim, Litov. Le rapprochement de Dieu, il est bon pour moi. Ça, on a compris, c'est pas un Tunisien. Passe-moi le pain, passe-moi le pain. Non, il répète deux fois, trois fois, quatre fois. Pourquoi tu répètes deux fois? Va ani. Vous avez compris la question, les amis? Oui? Tout le monde? Ok. Alors, qui dit quoi? Vous pouvez ouvrir les micros. Je vais réactiver les micros, je vous réactive. Là. Ou bien celui qui a une réponse. Rabbi Igal Boukamza. Il est venu, Rabbi Igal. Il est là, Rabbi Igal. Il est là, Rabbi Igal. Shana. Qu'est-ce que tu dis, Shana? Vous avez compris la question, les amis? Ou je la répète? Oui, mais encore. Igal, t'as compris la question? Il dit va ani, kirvat Elohim litov. Donc il dit, et pour moi, le rapprochement, être rapproché de Dieu, c'est bon pour moi. Et pour moi, être rapproché de Dieu, c'est bon pour moi. Mais ça, il t'a dit déjà pour toi, on sait que c'est pour toi. Il dit va ani, kirvat Elohim litov. Non, dis-moi. Kirvat Elohim, litov, être rapproché de Dieu, c'est bon pour moi. Ma vani, vani, quoi vani? Qu'est-ce qu'il y a vani? Vani, qu'est-ce qu'il y a vani? Vani chocolat, pistache. T'avais un doute? Il avait un doute. Il sait pas si c'est vraiment lui. J'ai pas compris.
Donc c'est de la poésie. Pourquoi il y a besoin d'ajouter, on a compris. Répète, répète. Ouais. D'accord. Ouais. C'est très joli. Très, 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 très beau. Très, très beau et très vrai. Parce que si c'était beau et pas vrai, dommage. Mais là, c'est beau et vrai. Magnifique. Emmet, il a dit égal, déjà, pour Vahani et pour moi. il a dit, parce que pour être véritablement connecté à toi-même, il faut être connecté à Dieu. D'accord ? C'est ce que tu as dit ? Bien fait. Ou bien tu peux dire, pour être connecté à Dieu, il faut d'abord être connecté à toi-même. Ça dépend dans quel sens ? Ça dépend dans quel sens ? C'est lequel le principal ? D'accord ? D'accord. Mais est-ce qu'on peut se connecter à Dieu sans être connecté à soi? Donc, c'est quel sens? Donc, ça commence d'abord par la connexion à toi-même. C'est pour ça qu'il dit David Ameler, il a fait égal. Va'ani, kirvat olim mitov. Les gens arrivent à se tromper. Vous savez, quand on fait du moussa, il y a un principe qui est vrai, mais il existe une seule fois, trois fois dans la journée. Ça s'appelle bitul atzmi. Bitulayesh, vous connaissez ça, vous avez déjà entendu parler de ce moussag, on en a un peu parlé. C'est annulation de la personne. Il faut savoir s'annuler dans ce monde-là, verrouler. On entend beaucoup ces ignans-là. Bitulayesh, annulation de l'être, annulation de la personne. C'est vrai et c'est pas vrai. Le seul moment où tu dois t'annuler complètement dans ce monde-là, c'est quand tu pries à Hachem. Devant Akadosh Baruch, tu n'es rien. Exactement, exactement, exactement. Il y a fait mode. C'est très vrai. Et le seul moment que tu dois t'annuler, c'est devant Akadosh Baruch Hu. Devant Dieu, on n'est rien. Comme ils ont dit Moshe, Avraham, Venachnouma, Vani Afar Baefer, et il a dit David Amelech, Anitola Deloish. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment devant Akadosh Baruch Hu. Devant Hachem, Bitul Atzmi. Tu n'existes pas. Parce que si je peux cligner de l'œil, bouger du doigt, chaque petite respiration, chaque seconde, fraction de seconde, c'est pour ainsi, de mon existence, si Akadosh Baruch ne donne pas la force maintenant de respirer, de bouger le doigt, d'ouvrir les yeux, je ne peux pas le faire. Donc voir Akadosh Baruch, je ne suis rien. Parce que tout ce que je suis, c'est par cadeau que Dieu me l'octroie. Donc le seul moment où il y a un bitul atzmi, où je dois m'annuler, c'est devant Akadosh Baruch. Mais Hachem, il attend de nous d'être Ani. Et c'est quoi Ani? D'exister, d'être. C'est moi, c'est je suis. On a tous le devoir d'être, d'exister, de se réaliser. Donc pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, il faut d'abord qu'il y ait un Ani. Pas Ani avec un Ain, Ani avec un Aleph. Ani, Aleph, on avait dit. Pourquoi avec Aleph? Aleph, Aloufo Shel Olam. Parce que nous-mêmes, comme Dieu, il est maître du monde, nous on doit être maître sur notre monde. Tu dois créer ton univers, pas impitoyable, mais tu dois créer ton univers. Tu as créé ton monde. Et sur ce monde-là, tu dois avoir le pouvoir. Tu dois être un maître. C'est-à-dire, un maître de quoi? Quel pouvoir? Le pouvoir de choisir dans le bien? Le pouvoir de te réaliser véritablement? Et réaliser les gens qui sont autour de toi, ta famille, tes amis, sont tous là pour chanter, danser autour de toi. Faut que tu sois Ani, Aloufo Shel Olam, Aloufo Olam Acha, tu dois être maître de ton monde. Donc, pour pouvoir prétendre à Kirvat Elohim, à pouvoir être proche de Dieu, écoute bien, 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 Rabbi Denis. Pour pouvoir prétendre être proche de Dieu, tu as un seul moyen. D'abord, va Ani. Faut faire vivre ton Ani intérieur. Faut faire vivre ton moi intérieur, ta personne, ton être, qui se définit par Rabbi Michael, Safa, par... Non, c'est l'inverse que je dis là, non! Qu'est-ce qui me définit? C'est quoi mon moi intérieur? C'est qui ma personne intérieure? C'est ma volonté. Ma volonté. On est volonté. À partir du moment où on avait dit que je réalise ma volonté à l'extérieur, c'est que je dis ce que je suis. Donc, pour prétendre, Rabbi Michael, à une kirvat Elohim, à se rapprocher d'Hachem, il faut d'abord qu'il y ait Vahani. Il faut qu'il y ait un Ani ici.
Et c'est quoi ce ani, on a dit? Cette volonté-là qui s'exprime à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle me permet d'être? C'est quoi que je me réalise? C'est quoi que je suis? On avait dit, c'est quoi? Je suis conscience. Après 120 ans, il dira, qu'est-ce qui reste de moi? C'est ma conscience. Ma conscience du bien, ma conscience de Dieu, ma conscience du vrai, ma conscience d'Hachem. Ce qui reste après nous, après 120 ans, c'est notre conscience. C'est-à-dire, plus je choisis, plus je suis. Et plus je suis, plus j'ai conscience d'être. Et donc demain, je serai encore plus qu'hier. Parce que c'est ce qui fait que je me réalise, ce qui fait que j'évolue. Donc il faut qu'il y ait un nid. David Damener qui nous dévoile quelque chose d'extraordinaire de la vie. Tu peux dire gentiment, Kirvat Elohim Lita, être rapproché de Dieu, pour moi c'est bon. Non, 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 Habibi. Tu peux jamais prétendre être proche de Dieu si auparavant il n'y a pas Vahani, s'il n'y a pas quelqu'un. Qui peut me donner, c'est une question que je pose, qui peut me dire quel est l'homme sur terre qui est arrivé au plus grand niveau d'attachement à Dieu et de rapprochement à Dieu de l'histoire de l'humanité? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, écoutez bien. D'un côté, on te dit qu'il était un âme, Mikol Adam. Il n'y a pas eu plus humble que lui. Alors donc, si je suis que je dois être humble, donc c'est-à-dire que je n'existe pas. Parce que dans nos têtes, c'est quoi quelqu'un qui a l'humilité, quelqu'un qui est humble? C'est quelqu'un qui va à la synagogue, on lui marche sur les pieds, il dit merci. Tu lui mets une petite gifle et tu dis, oh ben pourquoi pas dans l'autre? C'est ça être humble. Ça c'est l'humilité chrétienne, Mechila. C'est quoi être humble dans la Torah? Il dit le Chazon Ish. L'humilité, la hanava, c'est connaître sa place. Une personne qui vit exactement en fonction de ce qu'il est, c'est une personne qui est humble. C'est-à-dire que si dans un endroit, par exemple, où il y a des gens plus chachamim que toi, si tu es dans un endroit où il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, qui ont des connaissances plus que toi, alors ferme-la, tout simplement. Mais si par contre, tu es dans un endroit où les gens ne connaissent pas, ne savent pas, il n'y a que toi qui sais, prends-les devant, pas pour montrer, pour apporter. Donc, être humble, humilité, c'est connaître sa place. Lorsqu'on te dit que Moshe Rabbeinu était un âme Mikol Adam, c'est que dire que Moshe Rabbeinu, il était capable, malgré, la Gemara elle dit que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu plus d'ibor que lui, chacham que lui et riche que lui. Donc Moshe Rabbeinu, il avait tout pour s'enorgueillir. Il avait toutes les qualités pour s'enorgueillir. Et malgré tout, il était capable, Moshe Rabbeinu, d'enseigner à un grand érudit, Yoshua Bin Nun, et d'enseigner à un enfant de 4 ans. Avec la même intensité, avec le même amour, avec un autre discours, mais se rabaisser, se mettre au niveau de chacun. Ça, c'est quelqu'un de Hanav. Quelqu'un de Hanav, il faut enlever cette image qu'on a du type mesquen, et on le frappe, il dit merci, il est content. Non, c'est pas ça, c'est pas. On ne te demande pas d'être un paillasson dans la Torah. La Torah ne veut pas que tu sois un paillasson. La Hanava, c'est connaître sa place. Donc, moi, on te dit qu'il était Hanav Mikol Adam, et d'un autre côté, la Gemara dans Maseret Shabbat, elle te dit, Rabbi Moshe, tu te rappelles, on l'a étudié cette Gemara. Qu'est-ce qu'il dit à Gemara dans Maseret Shabbat Pesahim? Shlosha Advarim Asa Moshe Midato. Trois choses Moshe Rabbeinu l'a fait de lui-même. Ces trois choses qui sont, il a cassé les Luchot Abrit, il a cassé les tables de la loi. Hachem ne lui avait pas demandé. Et Dieu, il a dit, Ishar Korakha Sheshavarta. Et Dieu, il a été maskimito, il a dit, Kol HaKavod ce que tu as fait. Il a rajouté un jour, avant Matan Torah, de Hagbalot, de séparation avec nos femmes. Hachem lui a dit, Kol HaKavod ce que tu as fait. Et il s'est séparé de Tzipora, et Dieu lui a dit, Kol HaKavod ce que tu as fait. Attends. La Gemara, elle te dévoile quelque chose, mais on fait cette Gemara-là, on passe, on dit, ouais, c'est normal. Pardon? C'est que Moshe Rabbeinu, il a pris l'initiative, tout seul, on ne lui a rien demandé, sur trois choses qui sont quand même, je n'ai pas dit le mot terrible, mais qui sont grandes, qui sont importantes. Casser les Luchot Abrit, Rabbi, casser les tables de la loi. Il faut avoir dur metz. Se séparer de sa femme. Comment? Exactement, il faut avoir dur metz. Et la main. Non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Non. Pourquoi c'est pas pareil? C'est une bonne question. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que les Chachamim. Les Chachamim, eux, Pirkei Avot, on va le voir. On va dans Pirkei Avot, Asu Siyeg les Divrehem. Ils ont fait un Siyeg la Torah, ils ont fait une barrière. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, voilà, la Torah, c'est ce qu'elle dit. La Torah dit, c'est comme ça. Mais nous, pour éloigner l'homme de la Avera, pour éloigner l'homme de la faute, pour éloigner l'homme de tomber,
Alors on va rajouter des barrières supplémentaires. Mais on t'explique, ça s'appelle comme si c'était une khumra. C'est-à-dire que le djinn il est comme ça, mais nous on va juste rajouter. Donc on a expliqué qu'on a rajouté sur la mitzvah. Là Dieu, il a rien demandé. C'est pas qu'il a dit il y a une mitzvah de peut-être casser le nukhot et puis il a dit alors je le fais. Non, non, il n'y a rien. Dieu lui a rien demandé du tout. Et il l'a fait de sa propre initiative. La Gemara, les Chachamim viennent te dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Si Moshe Rabbeinu, Rabbi Michael Safar, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, si Moshe Rabbeinu avait un bitul atzmi, c'est-à-dire qu'il n'existait pas, il n'était pas, tu penses une seconde qu'il va prendre l'initiative de venir casser les lukhot? Tu sais la force qu'il faut avoir, tu sais le ani, le moi intérieur, la puissance existentielle qu'il faut avoir en soi pour prendre de telles décisions? Tu sais ce qu'il faut être à l'intérieur de soi pour avoir le omet, c'est le courage de prendre de telles décisions? C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu, il avait ce bitul atzmi, entre guillemets, péjoratif, négatif que les gens pensent, mais jamais de la vie il aurait fait une chose pareille. Jamais il aurait fait une chose pareille. Et là, parce que d'abord il était ani. Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple même de quelqu'un qui arrivait au maximum, du potentiel existentiel qu'un homme peut atteindre. Comme dit les Chachamim, Rabbi Moshe, tu le sais très bien, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui arrivait au 49e degré de Bina, 49e degré de Chochma. Il arrivait à 49 degrés, il y a 50. 49 degrés d'intelligence. Et d'ailleurs, c'est pas 49, il est même arrivé au 50e. Mais il n'est pas arrivé à la fin du 50e. Pour comprendre qu'en vérité, il y a peu de choses qui le séparaient de Dieu. Il était pratiquement, écoutez bien ce que je dis, c'est pas de moi, pratiquement au niveau conscience, hein, je parle bien sûr, pratiquement arrivé au niveau conscience divine de Dieu. C'est ça que ça veut dire, 50e degré de compréhension divine. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Donc il faut être quelqu'un. Pour atteindre cela, il faut être quelqu'un. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cela. David Amelach, il nous dévoile, va ami, pour pouvoir, je répète une dernière fois, pour pouvoir prétendre, être proche de Dieu, faut d'abord être proche de soi. Va ami, faut faire exister son moi intérieur, faut faire exister cette volonté intérieure vers l'extérieur. Donc c'est ça exister pour avoir une plus grande conscience de Dieu. Et plus je suis, plus je peux. Moshe Rabbeinu, il était tellement qu'il a pu. Il a pu essayer des choses que Dieu n'a même pas demandé de faire. Et il savait que c'est ça que Dieu il attendait de lui. La preuve, Hachem lui a dit, Ishar kochacha sheyesh avarta, bravo que tu as cassé les lukhot, verroulé, verroulé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on va dire que nous, on ne peut pas se le permettre. Parce qu'à quel niveau d'existence on est arrivé, je ne sais pas, chacun, Baruch Hashem, avec ce qu'il est. Aval, c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est toujours de grandir notre niveau existentiel, si je prends l'exemple ainsi. Et ce niveau existentiel, il est en parallèle avec la réalisation de ma volonté et en vérité qui découle sur une conscience beaucoup plus grande chaque jour de Dieu. Et plus ma conscience de Dieu elle est grande, plus je suis proche de lui et plus je peux prendre des décisions. C'est pour ça que vous verrez des fois des gens que même pour repeindre leur mur de maison, ils appellent leur rave. Quelle couleur, rave? Je sais pas, t'aimes le bleu? Ouais, j'aime le bleu, ben après du bleu. Ok, mais la voiture, quelle couleur la voiture? Je sais pas, quelle couleur t'aimes dans les voitures? T'aimes le gris métallique? Ben prends le gris métallique, je sais pas. Il y a des gens qui appellent leur rave pour tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Parce qu'ils ne sont pas. La Torah, c'est pas ce qu'elle veut de toi. On avait expliqué plus d'une fois, le rôle d'un rave, c'est de donner à son élève la possibilité, la capacité d'être, de devenir, de se réaliser. Et donc, Rabbi Michael Safar, dis-le-moi, et donc, comment tu existes? Et donc, on l'avait dit, qu'est-ce qui permet de faire tout ça? Et donc, de choisir. Donc, exactement. Donc, choisis ta couleur tout seul, prends pas le chou, espèce de malade. Je suis pas un gourou. À gourou gourou, comme dirait Stéphanie de Monaco. Calme-toi. Non, mais je ne rigole pas. Tu sais combien de débats j'ai eu avec des Kamel. Ouais, attention. Tu sais combien de débats j'ai eu avec des gens comme ça? Que les gars, tu leur parles, tu leur tiens ce discours? Oui, j'écoute. C'est quoi les échelles de valeur? Tu parles de quoi? De Khamishim Sharebina? C'est qu'on a... Ok. Alors,
Bien fait. Bien fait. Ça, c'est ramené dans le Zohar Kadosh, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a dévoilé ces choses-là. Tous ces secrets-là de on va dire, kabbalistique et pnimi, à l'intérieur de la Torah, des secrets de la Torah, le Mekor, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite, le Zohar en tant que tel, le Arizal nous a dévoilé encore plus, au niveau pour nous, parce que le Zohar, il est très caché, c'est très caché dans le Zohar. Et le Arizal, lui, nous a dévoilé des choses qui ne devait pas être dévoilé jusqu'à sa génération à lui et qu'on a aujourd'hui. Ouais, Rabbi ? C'est bon ? C'était Maurice, non, qui posait la question ? D'accord ? Donc en fait, c'est écrit dans les textes, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans les livres du Arizal, c'est écrit partout. Dans les livres kabbalistiques. D'accord ? Bezrat Hashem, on en parlera demain matin. T'es avec nous? Alors si Dieu veut. Alors demain matin on en reparle par rapport à la parashat Hashavua, quelque chose d'extraordinaire, les amis. C'est la semaine dernière. Alors je te le dis tout de suite ou je te le dis après? Plutôt, viens je termine ce que j'ai et puis après je réponds sur ce que t'as dit, d'accord? Juste on termine. Non, c'est celui de la semaine dernière, Mechila. Ok. Donc en tout cas, j'espère qu'on a bien compris ce qu'on est en train de dire maintenant, que le seul moyen en vérité qu'on a de se rapprocher d'Hachem. Et vous rappelez ce que je vous avais amené d'ailleurs dans Parashat Kitissa, l'Even Ezra. Et je vous ai dit que ce Even Ezra, il faut s'en rappeler jusqu'à 120 ans, même après si on peut, ça serait bien. Et Dieu, l'Even Ezra, lorsque Akadosh Baruch Hu donne les Luchot Abrit, lorsque Dieu va donner les tables de la loi à Moshe Rabbeinu, Kikaloto et Daberito, et là-bas l'Even Ezra, c'est rare, mais il pose une question à la Torah. Et il dit plutôt une affirmation. Et il dit Kishorech kol ha-mitzvot. Kishorech kol ha-mitzvot. La racine de toutes les mitzvot. Hat sheyehav et Hashem. Jusqu'à qu'on arrive à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est quoi le but des mitzvot? Arriver à se rapprocher de Dieu. Arriver à un amour de Dieu véritable. Et il dit Ve'yefcha. Et il est impossible à un homme de prétendre aimer Dieu, donc se rapprocher de lui. Im eno yodea, si d'abord il ne connaît pas ma'ut nafsho gufo venishmato, s'il ne connaît pas l'essence de son corps, de son psychisme et de son âme. En deux mots, tu ne pourras jamais prétendre connaître Dieu, tu ne pourras jamais prétendre être proche de Dieu si d'abord tu ne te connais pas toi-même. Et toi-même, c'est quoi? T'es fait d'un corps. Donc un homme, il doit savoir comment ça marche, comment ton corps il marche, comment comment ça s'appelle, le sang il coagule dans le corps, le poumon, le cœur, tes pieds, tes mains, tes organes, comment le corps humain il marche, cette machine fabuleuse que Dieu il a créée. Donc il faut d'abord connaître ton corps, parce que Dieu il est aussi dans ton corps. On avait parlé, vous rappelez, Yudke Vavke, tu le retrouves dans tous les membres de ton corps. Yudke Vavke, le sceau divin, le nom divin, Yudke Vavke, il est dans ton corps. Le Shem Shaddai, Shin Dalet Yud, il est aussi dans ton corps. Tous les noms de Dieu sont dans ton corps. Où on voit Shakai dans le corps humain, on avait dit. Le Shin, c'est le Zohar. Tu vois, tu me dis, Rabbi Maurice, d'où ça vient? C'est le Zohar Kadosh. Le Shin, c'est les narines. C'est un Shin. Ensuite, le Dalet, c'est lorsque tu mets les tefilines. Lorsque tu mets les tefilines chez Liat, ta main fait un Dalet. Et le Yud, c'est la Brit Kodesh. Et le Yud, c'est l'endroit de la Brit Mila. C'est pour ça que Chas Veshalom, une personne qui n'a pas la brite ou qui, malheureusement, souille la brite Mila, l'endroit Kadosh, alors qu'est-ce qui reste? On a le Shin et on n'a que le Dalet, on n'a plus le Yud. Et c'est quoi Shin Dalet? C'est le Shed, c'est les démons, c'est la Sitra Hara, c'est les forces du mal. Donc c'est ça que le Ika, attention, gardez la brite Kodesh, entre parenthèses, c'était le truc. Donc il faut connaître ton corps, ensuite il faut connaître ton psychisme, ce que font beaucoup les Balé Moussa. Le Rav Dessler, entre autres, le Rav Olbeu, et tous les Balé Moussa. Ton psychisme, comment l'homme y marche? C'est quoi se réaliser? C'est quoi la volonté? C'est quoi l'amour? C'est quoi la crainte? C'est quoi les midot? Ça, c'est niveau psychologique. Et Nishmato, c'est quoi la Neshama? Source de mes volontés, comment tu l'expliques? Comment tu comprends? À partir du moment où tu vas être Vani, il y a quelqu'un ici, je tape à la porte, il y a quelqu'un qui répond. Il n'y a pas un Brel qui ne sait pas choisir la même couleur de sa peinture de la maison. Il a toujours besoin de demander. Il y a quelqu'un qui vit, il y a quelqu'un qui répond. C'est pas vite quand je tape dessus.
Va ani. Si maintenant, Bémet, tu es ani. Si tu as l'oufol ou l'olamcha, tu es maître de ton monde, c'est-à-dire que tu te réalises véritablement, tu exprimes ta volonté, donc ta conscience de Dieu, elle évolue tous les jours, de plus en plus. Kirvat Elohim Itov. Donc d'abord, il faut qu'il y ait un ani. Après, je peux exprimer que Kirvat Elohim Itov, être proche de Dieu, l'itov, c'est bon pour moi. Parce que d'abord, il y avait la manière, il faut un ani. S'il n'y a pas de ani, tu ne peux pas avoir de rapprochement avec Dieu. Tu peux t'imaginer être proche de Dieu, tu peux rêver d'être proche de Dieu, mais ça reste un rêve, ça reste une imagination. Pour être véritablement proche de Dieu, il faut d'abord être proche de soi. Il faut qu'il y ait un ani, il faut une personne, il faut une conscience. Plus ma conscience de ma personne elle est grande, je ne parle pas d'égoïsme ou d'égocentrie, je parle de la véritable conscience de ce que je suis, alors plus je vais avoir conscience de Dieu et très rapprochement avec Kakadosh Baruch Hu. On continue demain, Bezrat Hashem. Le Moussa. Voilà, Kabod.